Salut, bienvenue sur ma page SLM Ghetto Life. Donc là, c'est une tablette graphique. Donc la tablette graphique ne me permettra de faire de nouvelles choses et de m'améliorer sur certains points. Donc là, on va aller le déballer et voir si c'est vraiment ce que j'ai commandé, quoi. Yes, I. Voilà, donc j'ai la tablette entre mes mains. Une tablette graphique et je l'ai commandée sur AliExpress et franchement ils font du bon boulot, franchement. Pourquoi je dis ça? Parce que là c'est marqué 21 dollars, donc allons dire 21 euros, quoi. Voilà, donc ça m'évite de payer les frais de douane, vous voyez. Donc c'est super efficace parce qu'en fait la vraie somme de cette tablette graphique, je l'ai payée 36 euros, en gros, ouais, 36 euros. Donc là, j'aurais du frais de douane, je pense que j'allais payer 5 ou 4 euros, un truc du genre. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'ai commandé des colis de plus de 100 euros et on te le divise, 35-35, voilà. Et on te le met valeur de la marchandise à 16 euros, ces genres de choses. Donc on peut commander en masse tout en évitant la douane. Mais je dis pas que ça marche à tous les coups. Je dis que ça marche d'après mon expérience à 80%. Ça arrive que la douane ouvre et voit que non, c'est pas possible que ça a une telle valeur, quoi, et tu te payes. Bon, maintenant place au colis. On va l'ouvrir ensemble. J'espère qu'on m'a pas douillé. Et je mets l'image de ce que j'ai commandé là. Et on va voir si c'est vraiment ça, quoi. Bon, je prends un clou. Voilà, j'ai pas de ciseaux à portée de main là. Waouh, franchement, l'emballage, ça fait plaisir. Yes, ça fait plaisir. Ça c'est quoi? Wow, super! Un petit sac de rangement. C'est pour ranger la tablette, quoi. Et franchement, je m'y connais rien en tablette graphique. Mais du coup, ça va me simplifier, surtout quand je fais mes clips pour faire certains effets. Ça va me faire gagner du temps. Franchement, ça sera super pour mes clips, pour tout ça, quoi. Et aussi, je vais voir pour faire des petites animations 2D. Voilà, et comme ça, j'ai pas à dépendre de « Ah, un acteur est pas là, ah, celui-là n'est pas présent ». Voilà, donc on continue. Franchement, je pensais que ça allait être plus solide que ça quand même. On voit l'image et tout, mais en fait c'est en mode cache-misère. Ouais, mais bon, c'est bon quand même. Voilà. Ah, ok. Bon, on y arrive. Ok, on y arrive. Et franchement, en termes de sécurité pour le protéger, il y a ça. Des anti-chocs dans les coins. Pour, je sais pas comment, de la polystyrène. Ouais, pour le protéger. Je pensais que ça allait peser plus lourd que ça. C'est assez léger. Ouais, c'est assez léger. Stylet là, franchement super. Ça c'est quoi? C'est pour le maintenir. Ah, ok, donc ça se met comme ça. Franchement, là, je suis un peu perdu, je dois lire la notice.
Franchement, si quelqu'un sait à quoi ça sert, ça serait cool que... Parce qu'en fait, je connais rien en termes de tablette graphique. Et je veux juste me lancer, quoi. Je suis un parfait débutant. Peut-être ça se colle tel pour les écrans de portable, parce qu'on voit que ça a la même dimension. Logiquement, ça devrait être ça. Ok, ça c'est la notice. La notice est en anglais, bien sûr. Mais attends, ou peut-être c'est un truc pour protéger la notice. Non, je pense pas, parce que quand même, arrête Valky. Arrête, t'es con. Non, c'est pour l'écran. Ok, je mets ça là. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est, ça se connecte à l'ordi. Voilà, un branchement. Ça m'étonne, il n'y a pas de CD d'installation ni rien. Ok, comme ça, je vais commencer à faire peut-être des tutos Illustrator. Et à la longue, peut-être carrément, parce que j'ai comme projet de me perfectionner dedans et de carrément créer une bonne dessinée. Non, une bonne dessinée. Des animes 2D qui ressemblent, qui correspondent plus ou moins à la Guyane, quoi. Donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Une bande dessinée guyanaise, plutôt une animation guyanaise, quoi. Avec des dessins qui caractérisent les gens d'ici. Ça sera cool. Mais c'est pas dans l'immédiat. Là, je dois apprendre à utiliser le matériel. Et ensuite, je pourrais faire réaliser de meilleures choses, quoi. Mais en tout cas, on m'a pas douillé. En tout cas, je ne l'ai pas encore testé pour voir, pour dire si oui, sinon on m'a douillé ou pas. Mais vu, il y a tout. Il y a le stylet. Il y a ça là. Il y a les petits bouts de rechange. Et il y a la tablette graphique. C'est ça la notice d'utilisation, sérieux. Je pense que je vais aller regarder des tutos sur Internet. Pour me renseigner sur le produit et réaliser de belles choses. Et cette partie, c'est pour ceux qui me suivent, mes abonnés. Ou même ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Mettez en commentaire le clip. Parce que ce que j'aime bien faire réaliser des clips selon mes pensées. C'est pas des clips officiels, sur des sons que j'aime bien. Ou sur des sons que certains me recommandent. Donc, à mes abonnés, mettez en commentaire les clips que vous voulez que je réalise et comme ça, je vais utiliser ça. Je vais en sélectionner un parmi dans les commentaires et je vais utiliser ce matos pour faire des effets vraiment cool, des effets superbes. Je parle comme si je savais l'utiliser. Non, mais j'aime bien me lancer des défis. Donc, je vais utiliser cette tablette graphique dans un clip. Et je donne la possibilité de choisir quel son, quel clip réaliser avec ce nouveau matos. Ok, sinon ça sera tout pour cette vidéo. Et merci à tous ceux qui me suivent. Il y en a déjà plus de 1000. Vous êtes déjà plus de 1000 sur ma page YouTube SLM Ghetto Life. Et ça fait plaisir, franchement, et je veux interagir au maximum avec vous. Donc, proposez-moi quelque chose. Yo les testez nous, c'est poussi à yo pièce pas de taille. TikTok pento, kakrasé ta la main, niggas en mode freestyle. Top tweet nigga, one marketing, quand ça nous ni la logistique. On la rie à nous, fait tout bête niggas, regardez les statistiques. Pas sous bête, changer maintenant, pétara vini automatique. Virtuel, péqué ni bug informatique. Top tweet nègre, one marketing. Quand ça nous ni la logistique. On la rie à nous fait tout bête niggas. Regardez les statistiques. Pas sous bête changer maintenant. Pétara vini automatique. Bala hip à virtuel, péqué ni bug informatique.